Mais bonjour. Vite fait, avant le reste de la vidéo, j'ai besoin de vous faire cette annonce assez importante qui va impacter la chaîne jusqu'à au moins la fin de l'année. Je reprends les cours pour un master en septembre. Pour le premier semestre, je pars à l'étranger. Donc je ne serai plus à Nantes pendant un petit bout de temps. Et qui dit quitter le pays dit que je vais pas pouvoir emmener la moto avec moi, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais ça va pas être le cas. Ce que je fais en ce moment, c'est que je filme beaucoup de vidéos en avance. Et je vais devoir aussi changer le rythme des vidéos. Donc ça, c'est extrêmement important. Je vais passer à une vidéo toutes les deux semaines. Actuellement, je dois, en plus de faire les vidéos actuelles, tourner des vidéos pour après, pour 4 mois. Donc si on prend 2 vidéos par semaine, ça fait 8. Ça va, c'est raisonnable. On peut encore le faire. Je vous invite vivement à me suivre sur Instagram, mon Dieu. Je mettrai toutes les infos à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sortira. Mais quand bien même, j'aurai pas de moto là-bas, c'est que je vais essayer quand même de rouler là-bas. Qu'est-ce que c'est de rouler dans un pays dont tu ne connais même pas la langue? Et la solution qui arrive rapidement, c'est de louer un véhicule, louer une petite moto, que ce soit même une 125, je m'en fous. Un week-end ou deux, tu vois. Et pouvoir tourner au moins une vidéo là-bas. Donc, je prendrai mon casque, ma caméra, et essayer de vous tourner des trucs là-bas, mais clairement, je vais pas pouvoir faire une vidéo par semaine là-bas. Voilà, c'était pour vous annoncer ça. Après cette vidéo-là, c'est dans 2 semaines qu'on se retrouve, toujours le vendredi 18h01. Quand je rentrerai, on pourra relancer la machine comme avant, une vidéo par semaine. Et du coup, bah, bonne suite de vidéos. Après toi. Putain! Oh la vache, il part! Oh, comment il est parti! Oh, c'est excellent! Oh la vache! On vient pas de la suite, nous! Il était perdu! Oui! Vache! Ça va? Il en fait du bruit, lui! Ah là, quel poison! Le camion qui ose! Ah le bâtard! C'était violent, ça! Ça pique! Ça va? On va aller voir quand même. On va faire checker quand même. Il est en panne ou il est pas en panne? T'es en panne? Non, bah, je crois bien que j'ai une amorce. Ah! Et j'attends un copain. C'est bon, il y a quelqu'un qui. Ok, bon. Parce que je préférais savoir. J'ai pas eu le temps de voir si t'as fait. Je sais pas quoi. Ok, bon. Bon, bah, bonne chance, hein. Écoute. Et non, c'est bon. Ah, ah bah oui, je suppose que c'est lui. Oh, tant mieux. Oh putain, un beau petit bébé comme ça qui fait peut-être une amorce. Oh non. On conduit pas comme ça. Il y a un arrêt là, moi je te doute comme t'as l'arrêt. C'était maladroit de sa part, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, dites-moi en commentaire, parce que est-ce que vous en tant que motard, que vous auriez dépassé naturellement, tu vois? Moi je me disais plus qu'est-ce qu'il fout, plus que il veut me laisser passer. J'avais un doute, mais j'ai pas envie de dépasser dans ces conditions quoi. Il y a un arrêt 100 mètres devant, va à l'arrêt. Bonsoir. Bonsoir. Et on peut voir que la 701 Zarpilène n'est pas dans son élément lorsqu'elle est coincée dans des bouchons. Surchauffe, sous-régime, changement intempestif de vitesse, vibrations et à coup, le moteur de la Zarpilène n'est pas adapté. Cependant, son aspect joueur et sa légèreté aident à rendre tout de même le voyage plus agréable, sans malgré tout combler les défauts. Vous pouvez voir qu'elle offre une maniabilité assez incroyable. Ouais, elle se tient toute seule. Ah, ça passe. Regardez. Ah.
Hop là. C'est pas moi qui le dis, c'est les infos. T'es jaloux, hein? T'es bon? Oh Michel! Michel! C'est Michel, il m'a coupé la route! Je sais pas pourquoi je réagis comme ça, mais. Pourquoi pas?